What's up bébé pépite de chocolat, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo assez spéciale qui va vous paraître assez bizarre, mais au final ça peut servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Des fois il nous arrive d'avoir des rendez-vous de dernière minute, que ce soit pour des potes, une sortie, etc. ou un entretien, on ne sait pas trop. Et puis... on sait jamais comment se coiffer, s'habiller déjà, bon c'est généralement c'est galère aussi. Mais se coiffer c'est encore plus difficile, on sait pas trop quoi faire et je sais pas, c'est assez bizarre, on est assez perdu quand c'est ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux coiffures super simples à faire et en très très peu de temps. Donc ça s'appelle le Men's Hair, les deux coiffures les plus rapides. Donc tout d'abord, j'ai lavé mes cheveux. Je trouve ça dégueulasse ceux qui ne se lavent pas les cheveux et qui réutilisent la cire ou le gel de la veille. Ou ceux qui se lavent pas les cheveux tout court, donc qui ont les cheveux où il n'y a rien dessus, mais qui ne se lavent pas les cheveux et qui mettent de la pâte quand même. Enfin, je trouve ça super dégueulasse. Moi, mes cheveux, je les lave tous les jours. Et la coiffeuse a dit toujours que j'ai des super beaux cheveux et qu'ils sont super bien entretenus. Donc le fait de dire que se laver les cheveux tous les jours c'est pas bien, bah excusez-moi mais c'est pas très vrai parce que la preuve, moi j'ai toujours eu des super beaux cheveux sans vouloir me vanter et c'est parce que je les lave tous les jours, ils sont jamais gras, donc voilà. Donc pour la première, cheveux secs, et vous prenez, alors moi j'utilise ça, c'est L'Oréal Hum Set Force Poker Paste. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un petit pot, mais ça coûte extrêmement cher. Donc en fait c'est une pâte qui est assez sec de ouf, mais vraiment sec. Donc vous en prenez vraiment un tout petit peu, genre ça sur un doigt. Voilà, vous en mettez un peu partout sur votre main. Et après, hop, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en avant, en arrière, c'est vraiment comme vous voulez. Et après, ça va faire un effet déstructuré, c'est ça qui est bien, et ça va tenir... toute la journée, si c'est même pas le lendemain, si vous avez la flemme par exemple de vous laver les cheveux le soir, ce qui est vraiment possible, et ça c'est pas dégueulasse, c'est vraiment possible, et vous vous lavez le lendemain matin, voilà, ça va encore tenir, et la pâte elle est vraiment super bien, elle sent super bon de ouf. Donc moi j'ai les cheveux un peu longs pour utiliser cette pâte, c'est à dire que ça tient moins bien sur les cheveux longs. Les cheveux mi-longs c'est impeccable, franchement c'est impeccable, c'est la pâte qu'il vous faut. Par contre ça coûte super cher, un petit pot comme ça c'est 17 €, donc voilà. Et je vais vous présenter tout de suite la deuxième coiffure. Donc voilà, vous voyez que là on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, c'est voilà, je peux les mettre devant, ça va tenir et tout, il n'y a vraiment aucun problème avec cette pâte là, c'est vraiment un truc de ouf, elle est super bien. Donc voilà, je vais vous présenter la deuxième tenue. La deuxième tenue, what the fuck? La deuxième coiffure. Donc pour la deuxième coiffure et pas tenue, je vais utiliser en fait Studio Line L'Oréal Paris. Donc c'est une pâte qui est plus grasse que la première, entre guillemets. C'est-à-dire que ça, si vous en mettez trop, ça va faire effet mouillé. Donc voilà, ça va faire des grosses pâtées et tout. Et c'est ça qui va être intéressant pour la deuxième coiffure. Donc, alors, il faut un peu avoir les cheveux mouillés. Donc par exemple, si vous sortez de la douche vite, en rapido, c'est tout. Vous sortez de la douche, vous séchez un peu vos cheveux, mais que ça reste encore un peu mouillé parce que vous voulez faire hyper vite. Donc ce qui est tout simple, donc voilà, c'est que vous prenez de la pâte. Vous voyez, là, c'est un peu mouillé, c'est... voilà... on vient de sortir de la douche et tout. Hop. Vous en mettez jusqu'à temps que vos mains soient blanches. Et après, vous faites ceci. Donc voilà. Vous mettez vos cheveux à l'arrière. Et pour avoir plus de volume, il y a une technique qui est très sympa. C'est que vous les mettez de l'autre côté. Et là, vous allez avoir un effet plus volumineux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, vous pouvez les mettre en arrière et tout. Et ça va très bien tenir avec cette pâte. Et donc, ça vous fait une coiffure assez classe. Et vous pouvez les brosser. Et après, repasser vos mains dessus pour que ça fasse bien coiffé, mais toujours naturel. Et c'est super sympa. Donc voilà. Moi, des fois, je l'opte cette coiffure-là. Par exemple, quand on est dans des soirées assez classes et tout. Parce que c'est une coiffure voilà, qui est classe quand même, les cheveux en arrière c'est réputé pour être une coiffure assez classe. Et en plus bah, c'est très très facile, on passe ses cheveux en arrière et tout. Et vous pourrez passer vos cheveux toute la journée, il n'y aura pas de problème, ça tiendra. Voilà, ça tombera jamais pratiquement si vous utilisez une bonne pâte. Donc voilà mes pépites de chocolat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été de bons conseils. En tout cas c'est vrai que cette vidéo là c'est assez bizarre que ça soit...
que ça puisse intéresser autant de monde, parce que moi j'ai justement essayé de chercher des vidéos, m'inspirer de certaines vidéos sur YouTube pour avoir justement du contenu pour vous. Et j'ai trouvé ça. Alors au début je me dis non mais c'est pas possible quand même qu'il y ait autant de personnes qui puissent regarder ce genre de vidéos alors que c'est complètement inutile. Puis je me suis dit mais attends, mais c'est vrai que au final quand on est stressé, quand on sait pas comment se coiffer, c'est vrai que quand on a envie de se dépêcher, on sait pas trop quoi faire, on est un peu con sur les beurs, on est un petit peu gogol, on sait pas trop comment se coiffer et tout, enfin bref. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa au final, et donc j'ai voulu leur produire pour mes abonnés, au moins pour ma communauté. Donc j'espère que ça vous plaît. Peace mes pupilles de chocolat, je kiffe la mort, peace mes passions, moi.